Salut les fines bouches. Les choses les plus simples sont parfois celles qui nous mettent le plus en difficulté. Nombre de vous m'ont dit « Ah, la mayonnaise, j'arrive pas à la faire, elle est trop liquide, elle est trop ceci, elle est trop... » Comme dans une prochaine recette, je vais avoir besoin de mayonnaise, on va faire une petite vidéo très rapide pour vous montrer la mayonnaise. De quoi avons-nous besoin pour faire une mayonnaise? On a besoin jaune d'œuf, moutarde, huile d'arachide, vinaigre, sel, poivre. Extrêmement simple. Comment on fait? Action. Jaune d'œuf dans le fond d'un récipient le plus creux possible. On prend de la moutarde. On met la moutarde avec les jaunes. C'est au goût, hein. Mais c'est très important d'en mettre pas mal parce que c'est ça qui va lier la mayonnaise. On fouette un petit peu, rapidement, pour éviter que la moutarde ne cuise les jaunes. La moutarde étant très forte, ça peut cuire les jaunes. Et dans ce cas-là, vous aurez des petits morceaux de jaune cuit dedans. On fait un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Là, on met un chiffon en dessous pour éviter que le plat tourne. Et on commence à monter à l'huile. On fouette. On fouette, on fouette, on fouette. Ça crée une émulsion. Voilà. Là, vous avez une bonne mayonnaise qui se tient bien. Et alors, le petit truc qu'il faut savoir, c'est que tout à la fin, une fois qu'elle est comme ça, regardez bien, Gilbert, regarde bien le gros plan. Regarde ce qui se passe lorsque tu mets une goutte de vinaigre dedans. Regarde. La couleur change et elle devient blanche, immaculée. En plus d'avoir le goût de vinaigre. Voilà les amis, une bonne mayonnaise qui se tient bien, qui est extrêmement bonne, même si il faudrait remettre un peu de sel, mais ça, c'est à discrétion. Vous avez une mayonnaise toute faite. Vous aimez l'avocat, vous aimez la crevette. Vous prenez un peu de cette mayonnaise, dedans un petit peu de ketchup, peu importe la marque. Vous mélangez bien et vous allez obtenir une sauce dite cocktail, avocat aux crevettes sauce cocktail, c'est ça. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Voilà les amis, je me souviens, ma grand-mère faisait la mayonnaise à la fourchette et elle réussissait. Alors nous, avec un fouet, normalement, il n'y a aucun problème. Alors, à vos fouets et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?